Dernière étape de cette nuit des idées, toujours en direct de l'Éden de Charleroi, depuis 20 heures. Allez, nous bousculons quand même hein, toutes nos conceptions de l'habitat, de l'alimentation, de l'éducation. On sait que les modèles actuels sont en bout de course, mais on l'a bien entendu, hein, d'autres pistes existent, d'autres solutions. On évoquait l'alimentation dans le journal, et c'est vrai que pour s'alimenter, ben, il faut quand même parfois de l'électricité, de l'énergie. Quels sont nos nouveaux défis énergétiques? Alors Olivier Nederland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le dernier, hein, voilà, le dernier meneur de notre débat. Les auditeurs vous connaissent comme présentateur des journaux, mais c'est aussi vous qui éditez l'émission transversale du samedi entre midi et 13h, et puis du magazine C'est Éco. Alors, pour à vos côtés ce soir, vous avez Jean-François Mitch d'Enercoop, coopérative, qui produit de l'énergie renouvelable. Bonsoir à vous. Et puis Damien Ernst, professeur à l'ULG, spécialiste en transition énergétique. Bonsoir. Alors, avant de vous en entendre, voici, ben, comme d'habitude maintenant, hein, l'avis des jeunes sur l'énergie. Vous allez l'entendre, ils n'arrivent peut-être pas souvent à appréhender ce sujet. Moi, ma vision de l'énergie, je fais juste les petits gestes du quotidien, donc éteindre la lumière, ne pas utiliser trop de chauffage, etc. Mais voilà, l'énergie, je ne sais pas grand-chose sur le sujet. On ne sait pas quoi faire, en fait, parce qu'on ne connaît pas le sujet et on ne sait pas quoi faire pour aider, entre guillemets. On est beaucoup basé en fait, sur l'électricité, parce qu'en fait, on a tout qui est fait. En fait. On ne s'imagine pas qu'il y a, par exemple, des panneaux. Je suis sûre que la plupart de la population, donc des plus jeunes, ne savent pas qu'il y a des panneaux qui existent pour l'énergie. Donc, on a tout qui est déjà fait, l'électricité, on ne cherche pas plus loin. Donc. Voilà, on ne cherche pas plus loin. Bonsoir Damien Ernst. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir à l'Éden à Charleroi. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est ce que disent ces jeunes, on ne sait pas trop quoi faire, etc. Est-ce que finalement, ce qu'on a entendu ici, c'est peut-être pas ça la première bonne idée, c'est de dire, bah, éteignons la lumière, faisons des économies d'énergie finalement. C'est pas ça d'abord ce qu'il faut faire? Oh, je pense qu'éteindre la lumière, c'est un peu la légende urbaine de l'efficacité énergétique. Hein. Ça correspond à très peu en termes de diminution d'énergie. Donc, laissez l'allumer, effectivement, pour la suite de l'émission. Non, il ne faut pas se leurrer. Hein. Si on veut maintenir nos sociétés, notre rythme de vie, ce n'est pas avec des petites mesures comme ça que ça va changer. Il faudra toujours générer, je pense, d'immenses quantités d'énergie. Et la question est surtout de savoir comment est-ce qu'on va la générer. Alors, de plus en plus d'énergie nécessaire, effectivement, dans une société qui reste basée sur les énergies fossiles. Évidemment, ça, on le sait, le pétrole, le gaz en particulier. J'ai envie tout de même, puisqu'on est dans la foulée finalement du film Demain, hein, vous avez vu qu'il y a un spécialiste dans ce film qui nous dit à un moment, on pourrait tout de même économiser jusqu'à 60% de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui, en faisant attention à différents niveaux, effectivement. Il y a tout de même quelque chose qui est aberrant à certains égards dans notre monde. J'ai envie de prendre l'exemple de Las Vegas. Est-ce que ça, ce n'est pas l'aberration absolue en termes énergétiques? Ben, les États-Unis sont une aberration en termes énergétiques. Oui. Hein. Par jour, l'Américain consomme deux fois plus d'énergie que l'Européen, qui en consomme déjà beaucoup, hein, qui en consomme déjà énormément. Donc, par jour, vous consommez 125 kWh d'énergie. C'est ce que vous consommez. Votre ordinateur, qui tourne pendant 24 heures d'affilée, c'est 1 kWh. Donc, en gros, votre empreinte énergétique, c'est 125 ordinateurs qui n'arrête pas de tourner pendant une journée. Alors, Jean-François Mitch, j'avais envie de vous demander, pour démarrer ce débat, qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui est soutenable aujourd'hui en termes d'énergie renouvelable? Parce que c'est ça le cœur du débat, évidemment. Il y a l'éolien, que vous soutenez évidemment via Enercoop. Il y a le photovoltaïque, c'est ça l'essentiel aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'on peut aussi compter sur l'énergie hydraulique, sur tout ce qui est au cœur de la mer, par exemple? Quel est l'essentiel aujourd'hui, finalement, pour qu'on sache bien? En fait, on a développé l'éolien et le photovoltaïque, pas nous au début, mais l'industrie qui a développé ce secteur a continué en fait, dans la logique des usines à l'uranium et au gaz et au charbon qui demandaient très peu d'emplois. L'éolien, c'est très peu d'emplois, le photovoltaïque aussi. Et donc c'est pour ça aujourd'hui, en gros, que ce sont les deux technologies les plus développées, parce que les opérateurs aujourd'hui préfèrent développer des sites qui sont très peu pourvoyeurs d'emplois. Et donc les autres unités en termes énergétiques, tout ce qui travaille sur la biomasse
tout ce qui travaille sur l'efficacité énergétique, etc., est beaucoup plus pourvoyeur d'emplois. Donc nous, on est, en tant que petit acteur de l'énergie, essentiellement aussi sur ces deux grands secteurs qui sont l'éolien et le photovoltaïque, il n'y a pas de matière première dans l'éolien, il y a très peu d'emplois et il n'y a pas de déchets, à part la construction de la machine. Mais donc, tous les autres systèmes demandent des processus beaucoup plus complexes et surtout beaucoup plus d'emplois à générer. Voilà, Damien Hers n'a pas l'air vraiment d'accord. Peut-être pour l'efficacité énergétique, c'est vrai qu'on n'investissait pas assez dans l'efficacité énergétique, mais la biomasse, c'est une autre légende urbaine de la transition énergétique. Donc, pour couvrir tous les besoins de la Belgique en énergie avec de la biomasse, il faudrait 160 000 km² de biomasse consacrée à l'énergie. Donc, c'est 5 à 6 fois la surface de la Belgique. On a un vrai problème. Donc ça, c'est vraiment une filière qui n'est pas tenable. Vous savez que le gouvernement wallon a lancé il n'y a pas très longtemps un appel d'offres pour un centre de biomasse. Il se plante ou bien qu'est-ce qui se passe? Il est à côté de la plaque. Il n'a pas l'air d'ailleurs d'y croire vraiment lui-même. J'espère. Donc, il se plante. Le futur des énergies renouvelables, c'est très clairement le photovoltaïque et l'éolien. La porte est refermée aux autres, et ce n'est pas juste une question de... parce que ça permet d'éviter d'avoir des emplois. Non, non, c'est aussi des filières qui, au niveau physique, sont les plus prometteuses. Il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de vent... Extraire, par exemple, de l'électricité des barrages, comme on aimerait bien le faire, ben, on a beaucoup moins de potentiel qu'avec la filière photovoltaïque et le vent. Donc, c'est celles-là qui sont crédibles. C'est l'avenir de demain. La question est de savoir comment est-ce qu'on va les utiliser dans la transition énergétique. Quel modèle est-ce qu'on va utiliser? Un modèle proche du citoyen, chacun sa petite éolienne, son photovoltaïque dans son quartier ou sur sa maison, ou bien des modèles où le photovoltaïque serait par exemple installé dans le désert du Sahara, l'éolien très près du pôle où il y a beaucoup de vent. Et donc un modèle peut-être moins dans l'esprit du film demain, mais plus efficace au niveau énergie. Oui, alors justement, puisque vous parliez des différents types d'éoliennes, Jean-François Mitch, il y a des jeunes belges qui ont développé, qui sont en train de développer des espèces d'éoliennes domestiques qu'on pourrait mettre le long des façades, apparemment, d'après ce que j'ai vu. Vous, c'est tout de même un de vos core business. Est-ce que ça, c'est l'avenir en partie, ou bien est-ce que vous dites plutôt, puisque vous êtes à la tête d'une coopérative, que les gens doivent se fédérer et finalement tous investir, donc c'est le principe de la coopérative, doivent ensemble financer des plus grandes éoliennes pour que ce soit viable et durable finalement. Mais on peut comprendre assez facilement que lorsqu'on finance des très grandes machines, on a des économies d'échelle qui sont réalisées. Et c'est ça l'intérêt aujourd'hui. Quand vous mettez une éolienne aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un terrain de football qui tourne dans le ciel. Et plus vous montez, plus vous avez du vent régulier. Donc aujourd'hui, c'est la tendance dans laquelle on va pour essayer d'avoir de l'énergie en permanence, alors qu'on est dans des systèmes intermittents, pas de vent tout le temps, pas de soleil tout le temps. Donc voilà, actuellement, on va plutôt dans une tendance le plus haut possible pour trouver le plus de vent et le plus large possible pour prendre le plus d'énergie possible. Les systèmes individuels de type photovoltaïque ou éolien ont une économie qui n'est pas encore évidente. On y travaille, ça évolue. Mais pour le moment, mieux vaut investir dans des grosses unités de production, que ce soit photovoltaïque ou que ce soit éolien. Pour l'éolien, je suis d'accord avec vous. Pour le photovoltaïque, non. Le prix du photovoltaïque domestique ou le prix de l'industriel, il n'y a pas vraiment de différence. En industriel, c'est le même panneau que vous mettez plus de fois. Tandis que pour l'éolienne industrielle, ben là, effectivement, elle est plus grande. Donc c'est foncièrement la même chose en domestique et en industriel. Alors, puisqu'on parle de l'avenir, en particulier, Damien Ernst, vous êtes penché, vous, sur les modèles de demain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pointez deux modèles qui sont, en fait, finalement, quelque part radicalement différents. C'est-à-dire, vous dites, soit on s'interconnecte au niveau de l'électricité et du renouvelable, évidemment, on est bien d'accord, soit on s'interconnecte au niveau mondial, soit, au contraire, vous parlez d'unités qui pourraient vivre en quelque sorte toutes seules sans être précisément connectées au réseau. Chacun aurait en quelque sorte sa batterie qu'on viendrait recharger
et qu'on ramènerait à domicile. C'est un peu ça, hein, votre schéma? Oui, en fait, on remarque que dans l'industrie de l'énergie, il y a deux modèles, de l'industrie de l'énergie renouvelable qui s'opposent. Le très, très, très grand, une grille électrique planétaire où vous mettez vraiment des éoliennes et des panneaux photovoltaïques où il y a beaucoup de soleil et de vent. Hein. Et cette grille planétaire vous permettrait de gérer naturellement toutes les fluctuations de l'énergie renouvelable, puisque quand il fait jour aux États-Unis, bah, il fait nuit en Europe. Hein. On voit pour le PV, ça réglerait le problème de la fluctuation du PV. Donc ça, c'est ce modèle titanesque de la grosse infrastructure. Et là apparaît un nouveau modèle rendu vraiment possible par le photovoltaïque, qui est pas cher du tout, et la batterie. La batterie qui devient une technologie de plus en plus abordable, de plus en plus fiable et de moins en moins chère. Et là, ce serait vraiment des modèles beaucoup plus locaux où vous produiriez et gériez vous-même les fluctuations de votre consommation et de votre production. Est-ce que ça ne fait pas peur aux gestionnaires de réseaux, ça, se dire qu'on pourrait éventuellement être déconnecté des réseaux qui existent aujourd'hui? Parce qu'on est tous, évidemment, enfin tous, peut-être moins certains, mais en tout cas, la base, disons, c'est un réseau à la fois pour le gaz, à la fois pour l'électricité. Ça, c'est la peur, majorité des gens aujourd'hui. De la peur, non. De la terreur, oui. Surtout pour les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité qui sont localisés près de l'équateur, on va dire plus près de l'équateur, donc dans le sud de l'Europe, par exemple, en Espagne, dans une campagne espagnole. Là, je pense même qu'en termes de prix, c'est beaucoup mieux de passer tout le monde en photovoltaïque et en batterie, ou en tout cas ce le sera dans 3-4 ans, que de maintenir ces réseaux en activité. Ce qui pourrait les sauver, peut-être ces réseaux, c'est que ce seraient des machines pour transporter l'électricité produite dans ces régions très ensoleillées vers d'autres pays, plus vers le nord de l'Europe. Donc ce serait une machine pour exporter de l'électricité, mais dans leur fonctionnalité telle qu'elle est à l'heure actuelle, distribuer l'électricité chez les gens, leur valeur va disparaître. Alors, Jean-François Mitch, qu'est-ce qui coince finalement, globalement, aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas passé au renouvelable et à l'énergie verte, au fond? Est-ce que c'est à cause de ce fameux retour sur investissement dont on parle régulièrement, hein? C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, pour produire un baril de pétrole, il en faut parfois presque un. Avant, on faisait du 1 à 100, si je ne m'abuse, Damien Ernst, c'est ça? Il y a un siècle, pour arriver à trouver 100 barils de pétrole, il en fallait un, c'est ça? C'est exact. Aujourd'hui, on est en train de grimper. Donc, pour le renouvelable, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, chaque consommateur finance le développement des énergies renouvelables, essentiellement de l'électricité renouvelable. Dans notre facture, une portion sert à financer les soutiens à la production. C'est à hauteur de plus de 500 millions d'euros, rien que pour la région wallonne, par exemple. Par ailleurs, il y a moins de 5 millions d'euros pour les programmes d'efficacité énergétique, la sensibilisation à l'efficacité énergétique et la modification des comportements. Donc pour le moment, on finance beaucoup plus la production d'énergie que la réduction de la consommation. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'à la place d'avoir uniquement sur votre facture une intervention pour soutenir les investissements des entreprises, c'est que vous soyez vous aussi investisseur dans des projets de type coopérative ou dans des grands projets d'investissement public. Parce que finalement, les deux sont importants, développer les réseaux, développer les outils de production des entreprises privées. Et ça, c'est un des enjeux aujourd'hui. Il faut mobiliser l'épargne belge pour permettre à chacun des citoyens de non plus rester comme consommateur d'un produit fini où il n'a pas grand-chose à dire, à un produit où il est réellement impliqué. Et ça marche. Il y a des gens qui investissent évidemment dans les différentes coopératives, la vôtre, mais il y en a d'autres. Ah oui, oui. Il y a plus d'une vingtaine de projets de coopératives opérationnelles en Belgique. Ma consoeur EcoPower en Flandre remarque en plus que sur sa communauté de presque 50 000 personnes, l'économie est de l'ordre de 20%, enfin les consommateurs utilisent 20% d'énergie en moins qu'un consommateur qui n'est pas actif dans un projet de production décentralisé. Alors on a envie de se demander au fond pourquoi on ne peut pas généraliser ça, parce que je reviens au film demain, hein, il y a l'exemple du Danemark qui est assez parlant. Et ils annoncent qu'à Copenhague, ils seront totalement indépendants en termes d'énergie verte d'ici 2025, en particulier grâce à l'éolien. Qu'est-ce qui bloque chez nous? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas passer ce cap et se dire, bah, pourquoi pas au fond, pourquoi pas Bruxelles, j'invente, hein, pourquoi pas Ostende, par exemple, puisqu'on peut aussi parler du offshore, qui pourrait être indépendant sur le plan énergétique?
C'est quand même une question de surface. Hein. Dans les villes, bon, en Copenhague, le soleil est encore pire qu'ici en Belgique. Le temps est vraiment dégueulasse. Donc ça ne peut être que déjà de l'éolien. Du vent, effectivement. Donc c'est pas Copenhague qui a dépendant. Il y a plus de vent là-bas qu'ici. Vous n'allez pas mettre une éolienne de 100 mètres de haut en plein cœur de Copenhague. Donc c'est déjà un peu malhonnête de dire Copenhague indépendant. Non, ils importeront de l'énergie, en fait, d'éoliennes offshore installées au large de Copenhague. Et quand je dis au large de Copenhague, ce seront d'immenses fermes hein, d'éoliennes offshore. Ce n'est pas 3-4 éoliennes hein, pour alimenter Copenhague. C'est quoi, 5000 peut-être éoliennes pour alimenter cette ville? Donc ça veut dire que c'est une question de moyens que nous n'avons pas forcément ici. Et de place. Donc vous coupez. Il y a de la place à la mer du Nord chez nous. Mais il y a de la place à la mer du Nord. Quand on aura installé toutes nos éoliennes, on aura exploité tous nos parcs éoliens en mer du Nord, c'est 2400 mégawatts hein, d'installés. Donc ça va produire de manière constante, hein, en moyenne, 800 mégawatts d'électricité. Mais ça veut dire quoi, pour qu'on comprenne bien ça. Pour que je comprenne bien, c'est 800 mégawatts toute la mer du Nord, et notre consommation moyenne en électricité est de 9000 mégawatts. Donc c'est au maximum un dixième. Et notre électricité, ce n'est qu'un huitième de notre consommation énergétique globale. Donc toute votre mer du Nord, c'est un 1/56 de votre consommation énergétique. Et c'est là qu'on se rend compte de la taille du problème et de l'ampleur du problème. Et j'aimerais bien revenir à votre exemple sur les barils de pétrole. Il y a une notion très importante quand on parle énergie. C'est cette notion de retour énergétique. Donc vous investissez de l'énergie dans un moyen de production pour le fabriquer et vous en retirez. Au début de l'ère du pétrole, vous mettiez un baril de pétrole d'énergie, vous en aviez 100. C'est un rapport de 100. Maintenant, pour le pétrole, hein, donc les pétroles de schiste hein, qu'on a aux États-Unis, on est tombé à 6. Pour certaines filières au Canada, on a 1,2, hein, les sables bitumeux. Et ça montre en fait que la transition énergétique, ce n'est pas juste une volonté en fait de vivre mieux dans un air non pollué, c'est quasi une nécessité parce qu'on commence à avoir un énorme problème avec cette filière fossile qui n'a plus un retour énergétique assez suffisant. Et ça étouffe en fait une société d'un point de vue économique. Et beaucoup d'économistes très sérieux ont lié cette fameuse crise de 2008 de laquelle on n'est pas encore remise, à un prix du baril excessivement élevé qui avait atteint les $150 et qui avait étouffé l'économie à ce moment-là. Donc on peut lier aussi une partie de notre crise économique, je ne vais pas dire tous les aspects, à un vrai problème d'énergie bon marché. Oui. Allez, on parlait des batteries il y a un instant. Jean-François Mitch, ça nous amène assez naturellement vers les voitures électriques. On a le sentiment que ça fait 30 ans, 40 ans qu'on en parle et que ça n'avance pas vraiment. Quel est le problème? Ou alors, vous allez me démentir, vous allez dire que maintenant, ça marche de mieux en mieux, mais on a entendu que les batteries étaient trop lourdes, que l'autonomie n'était pas suffisante, que le prix de vente des voitures était trop élevé. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que ça avance vraiment chez nous, notamment Mais c'est clair qu'il y a un impact de toute batterie, toute capacité de stockage, un impact environnemental important. Donc peut-être il faut envisager, avant de faire équiper les voitures de batteries électriques, d'équiper les vélos de batteries électriques. Donc il y aurait beaucoup plus de vélos en circulation et une toute autre forme de mobilité. Maintenant, c'est un grand changement culturel. Passer du vélo, enfin, de la voiture au vélo, c'est un grand changement culturel. On est dans une phase de transition. Donc, par exemple, dans la coopérative, chez nous, on fait des cours d'éco-conduite pour qu'avec les voitures thermiques qu'on connaît et qu'on utilise, tous un chacun, on réduise notre facture de la voiture de l'ordre de 30% en apprenant à mieux conduire avec sa voiture. La manière dont on conduit, donc ça, on passe pas à la voiture électrique, évidemment, mais en changeant la notre manière d'utiliser la voiture, on réduit son usure, on réduit sa consommation, on réduit son risque d'accident, etc., etc. Il y a même des assureurs aujourd'hui qui, quand on fait ces cours, réduisent votre prime d'assurance. Donc voilà, en transition, et c'est clair, mais Damien vient de soulever des enjeux majeurs entre notre capacité du territoire à produire un futur 100% énergétique autonome en Belgique. Alors, à l'échelle de la planète, c'est peut-être plus facile à imaginer. À l'échelle de la Wallonie, évidemment, vu la quantité d'énergie qu'on consomme aujourd'hui, on est tout de suite devant un mur. La seule chose qu'aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on produit est important, en renouvelable. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment qu'on arrive au minimum à développer de plus en plus de renouvelables à proximité des consommateurs, pilotés par eux. Et le reste sera encore compliqué à mettre en œuvre. Et plus on aura fait des pourcentages, plus les derniers pourcents seront difficiles à combler. Voilà. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses dont on pourrait parler, effectivement, sur le plan énergétique. Mais vous avez bien compris que le pont entre énergie et économie est assez évident.
Et donc Sophie, on va peut-être accueillir de nouveau. Voilà. En tout cas, vous avez compris que si vous reprenez votre voiture ce soir, il faudra bien la conduire. Alors, de nouvelles formes d'énergie, oui, voilà, mais pour soutenir justement aussi une nouvelle forme d'économie, laquelle, vers une nouvelle économie, c'est le dernier thème de cette nuit des idées. On accueille Marthe Neyssens, professeure d'économie à l'UCL, chercheuse au Centre de recherche pour la solidarité et l'innovation sociale. Et puis Bernard Bayot, directeur de Financité, le réseau financement alternatif. Avant de vous écouter, on va peut-être diffuser, Olivier, un message tout d'abord d'Isabelle Cassirs, professeure d'histoire de l'économie. Elle n'a pas pu se joindre à nous ce soir, mais vous allez l'entendre, elle nous a laissé ce message, ainsi que Clarisse Van Tickelen, diplômée de l'UCL. On les écoute. Il me semble clair depuis la fin du XXe siècle et plus clair encore depuis la crise financière de 2008 que le système global dans lequel nous sommes est réellement problématique et que la croissance poursuivie pour la croissance n'est plus possible aujourd'hui, n'est pas une réponse sensée aujourd'hui qui fait sens, notamment pour des raisons écologiques, elle n'est plus possible du point de vue écologique, mais aussi parce que dans son mode actuel, elle est très inéquitable et qu'en outre, elle pose de manière de plus en plus catégorique des questions de sens ou de finalité de la croissance. Mais pourquoi ? Comment, en tant que chercheurs, pouvons-nous éclairer l'enjeu de la transition écologique et sociale dans les années à venir ? Ouais, je suis diplômée de l'UCL et j'ai fait un mémoire sur les biens communs en économie avec un cas pratique qui s'appliquait au potager collectif à Bruxelles. Et j'ai reçu un prix pour son mémoire qui est le prix ERA, donc un prix en économie coopérative qui est donné par la Fondation des Générations Futures. Et donc ce prix m'a d'abord, je pense, renforcé dans mes convictions que l'économie actuellement doit parfois plus s'ouvrir en fait à d'autres champs, doit être plus interdisciplinaire et doit aussi prendre beaucoup plus en compte tout ce qui est le social et l'environnemental et se dire qu'en fait on vit dans une planète avec des ressources limitées. Alors comment faire? Je pense qu'il y a un peu deux domaines différents où on peut changer le monde. Un premier domaine, c'est plus ce que montre le film Demain, en fait c'est toutes les initiatives citoyennes concrètes au quotidien, en collectif, qui changent la société au jour le jour, quand je crée ma coopérative énergétique, quand je vais chercher mon panier bio de légumes chez le maraîcher d'à côté, ou quand j'utilise une monnaie locale, par exemple. C'est en faisant ces petites choses qu'on va changer le monde aussi. Après, c'est clair qu'on a parfois l'impression de ne pas avoir assez de pouvoir sur les décisions politiques qui sont prises ou sur comment fonctionne l'économie mondiale aujourd'hui. Et donc, c'est aussi important de se réapproprier en fait, le discours public et le débat public et de se dire qu'en fait, c'est nous qui donnons le mandat à nos politiques et donc on a aussi un pouvoir par rapport à ça et donc c'est important de l'utiliser. Voilà, se réapproprier le débat public, hein, ça fait évidemment référence au débat précédent qu'on a eu avec Pascal Claude tout à l'heure. Marthe Neyssens, bonsoir. Bonsoir. Parler, s'investir, diffuser des messages positifs, évidemment, et puis agir en réseau. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, l'une des clés? Ça rejoint finalement un peu tout ce dont on a parlé jusqu'ici, hein, au cours de cette soirée. Mais effectivement, je voudrais peut-être rebondir sur ce qu'a dit Isabelle Cassirs. Elle a parlé plutôt au niveau macroéconomique, hein, parler de la croissance et en fait de la boussole de nos sociétés. Vous savez, une boussole, ça donne la direction. Et aujourd'hui, c'est la croissance économique. Et donc, elle se dit, ben, est-ce que c'est encore ça, la bonne boussole? Et quelque part, ce soir et dans le fil demain, on a entendu des organisations au niveau, je dirais, micro, des citoyens, des entreprises, qui répercutent cette question au niveau des organisations. Hein, on a entendu parler beaucoup d'économie sociale. En fait, je ne vais pas définir ce que c'est, hein, parce que Pierre, qui est là encore dans la salle, nous a expliqué pour les Green New, Bisco, on a entendu l'énergie, les coopératives d'énergie renouvelable, toute une série d'initiatives qui se disent comment faire de l'activité économique et de produire, parce qu'il s'agit de produire de la valeur, mais avec une primauté de la finalité sociale et environnementale. Mais produire au niveau local, avec effectivement le social en arrière-fond et même plus d'ailleurs, est-ce que pour autant il faut généraliser ce type de modèle? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part tout de même une limite à atteindre et donc un équilibre finalement à atteindre? Mais c'est une très bonne question et j'ai envie de répondre en deux parties. D'abord, il est urgent, on parle de biodiversité, mais il faut parler de la biodiversité au niveau de l'économie. Je parlais d'écodiversité.
Bien sûr, on a des économies de marché, des économies dites capitalistes, mais en fait, les initiatives d'aujourd'hui nous montrent que l'économie est beaucoup plus diversifiée qu'on ne le pense. Il y a du marchand, du non-marchand, des articulations entre le marchand et le non-marchand, le non-monétaire, des flux entre ces différentes logiques, des entreprises capitalistes, bien sûr, mais des entreprises sociales aussi. Et donc, il faut absolument plaider pour cette éco-diversité. Ça, c'est la première chose. Et un peu renouveler notre regard. Et je pense que la soirée de ce soir nous a permis de renouveler un peu notre regard, d'ouvrir notre regard. La deuxième chose, je ne pense pas que ces initiatives elles-mêmes vont remplacer l'ensemble des entreprises, mais elles peuvent d'abord essaimer. On voit bien que la plupart des entreprises, en général, pour grandir, ne grandissent pas en elles-mêmes, mais se reproduisent. C'est beaucoup plus une logique d'essaimage. Et la deuxième chose, c'est qu'elles peuvent peser sur les normes du système. Et ça, les normes du système, c'est extrêmement important pour organiser notre économie qui est aussi politique. Il faut une régulation malgré tout, quelque part. Bien sûr. Donc, il y a une dimension politique au sens politique interne dans l'organisation. On a parlé de la démocratie à l'intérieur de l'entreprise, mais ces entreprises aussi, en fait, réinterrogent notre rapport aux normes et aux politiques, parce que l'économie est politique aussi. Je prends un exemple, le commerce équitable, ça a commencé par des petites initiatives, qu'on disait des initiatives de niche. Eh bien, aujourd'hui, les produits de commerce équitable, vous les trouvez dans les grandes surfaces aussi. Et donc, il ne faut pas penser uniquement à ces initiatives en elles-mêmes, bien sûr, elles sont très importantes, mais leur rôle dans le débat public et la façon dont elles peuvent peser sur les normes du système. Alors, le système économique et financier, évidemment. Bonsoir, Bernard Bayot. Bonsoir. Plus de 3000 emplois vont disparaître chez ING dans les prochaines années. Clairement, notre système financier, on l'a vu il y a quelques années, en 2008, lors de la crise des subprimes, il est clairement dans une impasse. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça? J'ai envie de vous demander, peut-être tout simplement, les gens qui ont peut-être un peu d'économie font quoi aujourd'hui avec, s'ils veulent vraiment que ce soit durable et socialement responsable? Qu'est-ce qu'on fait avec les économies qu'on pourrait avoir éventuellement? Alors, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la diversité. C'est évident, dans le système financier en Belgique, il y a 25-30 ans, il y avait des banques publiques. Il y avait 4 instituts publics de crédit, il y avait plusieurs banques coopératives. Et la banque commerciale, qui est le seul modèle qui existe encore aujourd'hui, n'était absolument pas majoritaire. Et donc tout ça a changé. Et c'est un problème, parce qu'effectivement, chaque type d'institution a des finalités différentes. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est indispensable qu'on retrouve des banques publiques. Et une éditorialiste d'un grand journal francophone le plaidait récemment, d'ailleurs. Mais aussi, il faut que, effectivement, la finance solidaire, c'est-à-dire la finance des gens, des citoyens, se développe. Et c'est le cas. Donc aujourd'hui, si vous avez la possibilité, si vous voulez, de faire des choix dans votre habitat, dans l'énergie, dans votre alimentation, vous avez également la possibilité de le faire dans la finance. Il y a exactement 2 ans, le réseau Financité a lancé un label de qualité de produits financiers solidaires, un petit peu comme ça, je ne vais pas dire par hasard, mais enfin on s'est dit, tiens, on va essayer. Eh bien, on a été complètement dépassé par le succès, puisque aujourd'hui, 2 ans après, il y a plus de 100 000 personnes qui ont souscrit un produit labellisé par le réseau Financité, 170 millions d'euros actuellement, et c'est quelque chose qui se développe de manière très significative. Et donc, toutes ces initiatives dont on a parlé, qui se financent grâce à l'épargne citoyenne, eh bien, on peut les supporter. On peut chacun les supporter, ce n'est que comme ça que les choses évolueront. On parlait il y a un instant de démocratie économique. C'est ça la démocratie, c'est faire des choix. C'est faire des choix au supermarché avec le commerce équitable, mais faire des choix également lorsqu'il s'agit de mettre son épargne quelque part. Ben oui, je voulais peut-être passer la parole à Jean-François Mitch précisément par rapport à ça. Vous constatez, vous êtes à la base finalement de ce mécanisme-là, vous constatez que les gens se disent, ben, au fond aujourd'hui, moi je préfère investir par exemple dans une coopérative comme Enercoop ou d'autres. Oui, beaucoup de projets de coopératives, et comme Bernard vient de le dire, le fait qu'il y ait un label qui qualifie les produits aujourd'hui, ben je pense que c'est complémentaire. Il faut que les initiatives soient bien documentées, bien publiques, enfin très ouvertes et très transparentes. Il faut des opérateurs qui les documentent et qui les référencient pour organiser. On n'est pas habitué, un Belge n'est pas habitué à investir dans l'épargne belge, enfin dans les entreprises belges. Il faut relocaliser son épargne aujourd'hui. Investir directement dans des projets d'entreprise, ce n'est pas une habitude. Dans le portefeuille d'un Belge, il n'investit habituellement pas dans l'économie belge. La majorité du capital belge est investi aux États-Unis et en Asie, par nos banques, par nos courtiers et autres, mais
Donc cette relocalisation est une nouvelle habitude à prendre. Et donc il faut que des entreprises apprennent aussi à être très transparentes, à expliquer leurs projets. C'est suffisamment le cas aujourd'hui ? Est-ce que les gens prennent des risques avec nous ? Parce qu'on connaît tous ces fonds d'investissement. Il y a des produits financiers, on ne sait absolument pas vers donc, quoi on va. Le modèle de l'économie sociale se veut non spéculatif, non coté en bourse, se veut ancré localement, se veut durable, donne la part au vote à tous les parties prenantes, donne la possibilité aux employés de prendre part au processus de management, comme Pierre l'expliquait tout à l'heure. Enfin, voilà, donc c'est une économie qui se veut vraiment plus proche de l'humain, et qui met cet humain au centre des enjeux, et donc l'environnement, et donc une finalité, et rémunère aussi le capital. Hein. Je veux dire, nos premiers projets qui ont 10 ans, les parts qui ont été émises à 100 euros valent 160 euros, et tous les ans, on a distribué plus ou moins 6% de dividendes. Donc c'est quand même pas rien. Mais tous les projets ne fonctionnent pas aussi bien, et donc il faut aujourd'hui répartir un portefeuille plusieurs projets. Le citoyen qui se réapproprie d'une certaine manière sa banque, ça c'est votre projet, Bernard Bayot. Newbie, où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Parce que ça fait des années que le projet est lancé. Est-ce que vous pensez atterrir sous peu ? Écoutez, peut-être que cette nuit, avec cette émission, on arrivera au 50 millième coopérateur, puisqu'il en manque 4 pour être à 50 000. Donc, parce qu'il n'y a pas 4 personnes qui souhaiteraient éventuellement investir dans Newbie. Plus sérieusement, donc c'est un projet effectivement de longue haleine, parce que je crois qu'il y a 25 ans qu'on n'a plus créé de banque en Belgique, donc ce n'est pas quelque chose de facile, certainement pas. Ça a pris plus de temps que ce qu'on imaginait, il faut être honnête. Mais néanmoins, on pose des jalons. Donc on a développé un premier produit cette année-ci, on a d'autres qui seront développés dans les mois qui viennent. On a augmenté notre capital et on est en train de réfléchir à des solutions tout à fait innovantes. Il faut être créatif parce que la situation financière et économique d'aujourd'hui est ce qu'elle est. Extrêmement complexe, y compris et surtout pour une institution financière. Et donc voilà, on est en train d'imaginer. Je pense qu'on a trouvé des modèles assez intéressants qui pourraient nous permettre, je pense, de déposer avec confiance un dossier à la Banque nationale, mais ça, ce sera pour les prochains mois. Et donc voilà, je ne vais évidemment pas vous promettre d'ouvrir une banque dans les mois qui viennent, mais je pense que c'est en tout cas un projet qu'on doit continuer à poursuivre et qui aboutira d'ici quelques temps. J'aimerais revenir vers vous, Marc Nissen, parce qu'on a parlé beaucoup du local, hein, qui est un mot-clé, un espèce de fil rouge à travers cette soirée. Et pourtant, l'indicateur de richesse aujourd'hui chez nous, le PIB, il est national. Comment est-ce que le local peut peser sur un indicateur qui reste national et qui, finalement, détermine notre richesse en fonction de ce qu'on produit au sein de notre pays ? Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à Bon, mais d'abord, l'indicateur du PNB, c'est une agrégation, donc ça comprend aussi le local. Ce qui est important de voir, je crois, c'est qu'il y a une urgence pour les différents acteurs de se réapproprier l'économie. Hein, on a bien senti le message des différents acteurs, c'est cette réappropriation de l'économie. Et moi, j'étais la première surprise du succès du film Demain. Et je pense qu'une des raisons, deux des raisons, bien, d'abord, c'est le message positif. Hein, ce n'est pas uniquement de dire, ben voilà... la planète, mais bien sûr, on fait face aux limites de la planète, mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein? On a l'impression qu'on peut se réapproprier un certain pouvoir. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est la diversité des types de projets. On a vu des pouvoirs publics locaux, hein, dans la mobilité, dans le traitement des déchets. On a vu des initiatives citoyennes dans les potagers urbains, dans la manière de réinventer l'habitat, le mode de propriété par rapport à l'habitat. On a vu des initiatives d'économie sociale. On a vu des entreprises, on a ici Belvast, qui aussi osent remettre les finalités environnementales et sociales au devant du modèle économique. Et donc cette diversité d'acteurs, qu'ils soient du pouvoir public, des citoyens, d'économie sociale ou du secteur privé plus classique, est extrêmement important pour relever le défi lié à la transition sociale et écologique. Mmh. Et c'est ça qui compose aussi le PIB. Oui, vous parliez de mobilité à l'instant. J'aimerais juste revenir un petit moment avec vous, Damien Ernst, là-dessus, parce que je lisais ce matin dans la presse les idées de nombreux Bruxellois pour Bruxelles autrement. Et le ministre de la Mobilité, Pascal Smet, nous disait des vélos pour tous les Bruxellois. Alors, où est la volonté politique par rapport à ça? On s'écarte un peu de l'énergie, mais enfin, tout est dans tout.
Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas, d'une certaine manière, défiscaliser l'achat d'un vélo, par exemple? Attention, mobilité et énergie, c'est extrêmement proche, parce que c'est aux alentours de 20% de notre consommation énergétique, la mobilité. Bien sûr qu'au niveau fiscal, il y a plein de choses à faire, démocratiser le vélo, mais moi je ne crois pas. Le vélo, c'est quand même moins de confort que la voiture. Je pense que les gens veulent toujours du confort, c'est la nature humaine. Ce serait certainement... On pourrait parler des transports en commun. Oui, ou des transports en commun, mais il faut voir aussi ce qui se prépare au niveau technologique. Ce qui se prépare au niveau technologique, c'est la voiture électrique et la voiture autonome, sans chauffeur. Je pense que c'est ça. Finalement, ce sera ça l'avenir de la mobilité. Bien sûr, il faut favoriser la mobilité douce, mais ce sera la voiture électrique et la voiture autonome sans chauffeur qui marqueront le monde de la mobilité de demain. Et pourquoi est-ce que je ne parle pas en partie ? Oui, maintenant, il y a des prototypes qui existent à Pittsburgh. Uber a lancé un modèle de voiture sans chauffeur pour ses clients. Et pourquoi est-ce que je ne parle pas même de transport public ? Parce que je pense que la voiture autonome va se substituer au transport public, en fait. Je pense que ça, c'est quasi un combat. Mais ça, c'est un tout nouveau modèle. Ça veut dire qu'on ne doit plus investir dans les transports en commun ? Je n'ai pas dit ça. Ce sera de la voiture autonome comme transport en commun. Il va y avoir un immense changement qui va apparaître. Et on est aux portes de ce changement-là. On est à 3-4 ans, à mon avis, d'un déploiement massif, en fait, de cette technologie. Les start-up les plus hautes, parmi les plus hautes en Californie, c'est ça. C'est du véhicule autonome. C'est ça maintenant. Et on va vers ça. Et je pense qu'il faut réaliser que dans le monde de demain de la mobilité, ce sera le vecteur dominant et qui va probablement éclipser la voiture à essence, les transports en commun, ce véhicule-là. Et peut-être même les avions sur les courtes distances, comme la Forte, la première voiture vraiment à essence, grande série, a éclipsé le cheval, en fait. Allez, il nous reste 10 petites minutes à peine. J'aimerais bien qu'on aborde un autre aspect important, ce sont les monnaies locales. Quel est finalement, Bernard Bayot, l'intérêt d'une monnaie locale? Elles sont en train de se multiplier. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire venir Stéphane Vandenet, qui est avec nous, et qui va nous parler du talent. C'est une monnaie locale qui va être lancée dans les prochains jours à Otigny-Louvain-la-Neuve, c'est ça ? Qui va être lancée le mardi 25 octobre, effectivement. Donc, c'est un projet qui est né il y a 3 ans dans la commune d'Otigny-Louvain-la-Neuve et qui a été reboosté justement par le film Demain, qui a suscité de nouvelles énergies, notamment chez les étudiants, mais aussi dans de nombreuses associations, chez les commerçants, etc. Et donc voilà, le mardi 25 octobre, le talent va circuler à Otigny-Louvain-la-Neuve. Alors, quelle est finalement la finalité première? On imagine que forcément, c'est pour qu'on puisse consommer d'abord local. En fait, il y a deux finalités. La première finalité, effectivement, c'est d'indiquer et de renforcer le réflexe local des commerçants eux-mêmes, en fait, qui sont eux-mêmes des consommateurs, mais évidemment, le réflexe local des consommateurs. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en investissant dans la monnaie locale, puisqu'on achète de la monnaie locale, on a mis en place un système avec Crédal pour que toute cette épargne qui va être collectée par la vente du talent soit réinvestie dans le tissu local. Et donc, ce qui va se passer à partir de mardi, c'est que chaque fois qu'un talent va être acheté à Otigny-Louvain-la-Neuve, en réalité, c'est 3 euros qui vont être injectés dans l'économie locale. Celui qui va être dépensé dans le commerce et les 2 euros grâce à Crédal qui vont pouvoir être investis dans les projets d'économie sociale, dans les projets de maraîchage, dans les projets de transition écologique et sociale. Bernard Bayot, c'est quelque chose qu'il faut soutenir, ça, les monnaies locales, c'est en train de se multiplier un peu partout, en région wallonne notamment. Absolument. Donc, dans le réseau Financity, on a 15 groupes, effectivement, qui s'occupent de monnaie locale. 6 existent déjà ou sont sur le point d'exister. Et d'autres sont en cours de maturation ou simplement au niveau de l'ébauche. C'est essentiel parce que c'est effectivement au-delà des aspects, je dirais, des impacts sociaux, environnementaux, locaux qu'on peut avoir. C'est aussi une forme de réappropriation
de la monnaie. La monnaie, c'est vraiment, c'est le système, on parle des idées ici. Les idées, c'est avant tout des échanges, et les échanges, c'est la monnaie. C'est comment est-ce qu'on fonctionne, quelle est la valeur qu'on donne aux choses. Et donc, il y a une réappropriation essentielle, je pense, de la finance qui se fait au travers des monnaies locales. Et ça, ça me paraît essentiel, de la même manière qu'on parlait tout à l'heure du point de savoir, effectivement, il faut se réapproprier l'économie, eh bien, il faut aussi se réapproprier les mécanismes financiers et choisir, on revient au thème de la démocratie, choisir exactement comment on veut fonctionner. Est-ce qu'on veut fonctionner pour financer effectivement la grande distribution ou au contraire une distribution locale. Donc c'est des choix fondamentaux. Et je fais juste une petite parenthèse parce que je pense qu'à côté de ça, il y a aussi un choix démocratique politique à faire. On peut effectivement parler des nouvelles inventions, des voitures propres, des ceci et des cela, mais il y a avant tout des choix politiques à poser. C'est notamment le régime fiscal des voitures de société, par exemple. Et donc, c'est avant tout ça qui va déterminer l'évolution de la société. Et donc, on ne peut pas uniquement rester à un raisonnement économique, de se dire qu'est-ce qui va bien fonctionner, qui va coûter le moins cher, qui va être ceci, cela. Il faut aussi avoir une application politique en voyant les conséquences sociales et les conséquences environnementales. Et ça, c'est un choix de tous les citoyens. Puisque vous parlez des voitures de société, quand le gouvernement nous dit aujourd'hui vous pouvez éventuellement laisser tomber votre voiture de société pour avoir un salaire net un peu plus élevé, c'est suffisant ça comme message pour vous ? En tout cas, c'est un bon début. C'est clair que c'est un bon début, mais c'est le système global des voitures de société qui doit effectivement être supprimé. Et pourquoi pas encourager le transport en commun ? Pourquoi est-ce qu'on n'encouragerait pas le transport en commun ? De la même manière que sur la fiscalité qui favorise les financements, hein, que c'est les assurances-vie, etc., il y a des gros avantages fiscaux. Pourquoi est-ce qu'on ne réserve pas au moins une partie de ces avantages pour des projets d'économie sociale, pour des produits qui investissent de manière socialement responsable, plutôt que de manière indiscriminée, c'est-à-dire aussi dans des entreprises qui fabriquent l'armement, qui font travailler des enfants et qui polluent l'atmosphère ? Oui, Martinsen, le volet fiscal, le levier fiscal, il est important, évidemment. Très important. Et c'est toute la question des incitants. Hein, on sait bien aujourd'hui qu'il y a des effets délétères au niveau de l'environnement et au niveau social. Et donc la question de la régulation, c'est une façon aussi de réintégrer ces différents paramètres dans nos décisions économiques. Et donc la question des incitants, et à ce niveau-là, la question de la politique économique est extrêmement importante, peut avoir un effet crucial sur les choix des entreprises et des consommateurs. Est-ce que l'économie collaborative est aussi un élément intéressant à prendre en compte ? On entend dire que la propriété est de moins en moins centrale dans la société. Est-ce que le partage, finalement, c'est aussi quelque chose sur lequel il faudrait mettre l'accent davantage ? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'économie collaborative et on met énormément de choses derrière ce mot. On peut consommer de manière collaborative, par exemple son logement ou sa voiture. On peut produire de manière collaborative quand on pense au Fab Lab ou bien au logiciel libre. On peut distribuer de manière collaborative quand il y a des plateformes de circuits courts qui rassemblent des producteurs et des consommateurs. C'est une manière de distribuer collectivement. Mais ce n'est pas forcément désintéressé. Alors, il suffit de penser justement, à Uber. Mais derrière ça, il peut y avoir des modèles de gouvernance complètement différents. On peut avoir ce qu'on appelle en fait du capitalisme de plateforme. Uber, c'est de l'économie collaborative, mais ce n'est pas de l'économie du bien commun ou l'économie du partage. Et donc, toute la question, c'est de savoir quel est le mode de gouvernance qu'on va avoir derrière ces initiatives en réseau. Il peut avoir des choix extrêmement différents. Là, effectivement, on revient à une volonté politique. Bernard Bayot, c'est clair que la régulation, à ce niveau-là, en tout cas, elle est capitale, si j'ose dire, sans jeu de mots, puisqu'on revient effectivement à le désintéressement ou pas, finalement. Absolument. Et je voudrais aussi revenir sur un autre élément qui était dans un autre débat, dans un débat précédent, c'était la question du temps. Malheureusement, on n'a plus énormément de temps au niveau environnemental, au niveau social, vous voyez comme les choses se dégradent. Donc je pense qu'il y a une question aussi de vitesse et donc de taille, de seuil critique. Je pense qu'il y a une série d'initiatives aujourd'hui qui sont extrêmement intéressantes, mais qui doivent malheureusement essaimer ou grandir pour pouvoir avoir un impact beaucoup plus important. Je pense qu'aujourd'hui, on doit véritablement, dans tous les domaines qu'on a cités ce soir, développer d'autres modèles économiques, pas seulement des petites expertises, des petites expérimentations, des projets pilotes, mais vraiment d'autres modèles et les développer à un large niveau. Ce n'est qu'à ces conditions-là qu'on changera l'orientation du navire, parce que pour l'instant, malheureusement, les choses ne vont pas nécessairement dans le bon sens. Développer en passant éventuellement par des interdictions assorties de sanctions,
Parce qu'il y a un moment, on se demande si on ne doit pas en arriver là, effectivement, et se dire, on va interdire aux gens, par exemple, de rentrer dans une ville quand on est seul dans une voiture. Exemple. Mais écoutez, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années maintenant, nous avions plaidé pour qu'on interdise en Belgique que n'importe qui, notamment les banques, mais vous aussi, moi aussi, finance les mines antipersonnelles, les bombes à uranium appauvri, etc. On l'a fait, mais à l'époque, le secteur financier disait, mais enfin, qu'est-ce que c'est, liberté du commerce, etc., etc., etc. On est le seul pays au monde à l'avoir fait. On s'en porte vraiment très bien. Et donc, je pense qu'on doit à un certain moment être cohérent par rapport aux valeurs que l'on porte, aux valeurs démocratiques, au respect du droit des enfants qui ne doivent pas aller travailler, par rapport à l'égalité homme-femme, par rapport au respect de la planète, etc. Et donc, effectivement, si ça passe par des interdictions, il faut les assumer. Moi, je rajouterais, si on payait le vrai prix de ce qu'on consomme, je vous assure que nos comportements de consommation changeraient. C'est parce que les prix ne reflètent pas le coût réel des choses. Et là, on arrive effectivement au débat de la mondialisation. Hein. Là, on est reparti sur un autre et débat. Sur doute, mais ce qu'on discute sur le CETA aujourd'hui. Voilà, effectivement. On ne va pas rouvrir le débat sur le CETA, mais effectivement, c'est un élément important dans le cadre des échanges commerciaux. Je ne sais pas s'il y a éventuellement l'une ou l'autre question, peut-être pour clôturer. Question à l'un de nos invités dans le public. Oui, monsieur. Vous avez peut-être un micro, voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que dans les institutions financières qui sont tenues finalement en première ligne par des administratifs, que ce soit les sociétés d'investissement ou que ce soit les banques, comment voulez-vous que ces gens puissent juger d'une innovation, d'un créateur, de la capacité d'un entreprenant? Ces gens-là ne sont pas capables de saisir ça. Et la question est la suivante. Est-ce qu'au sommet des sociétés d'investissement, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des gens qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience, qui ont créé des entreprises, que pour pouvoir décider si un projet vaut la peine ou si quelqu'un vaut la peine de diriger ce type de projet? Alors, y a quelqu'un, une innovation. Voilà. Parce que là, on est véritablement face à un problème. Je vais prendre un simple exemple pour me faire comprendre. Vous arrivez avec une plaque de plâtre entourée de deux feuilles de papier. Vous allez le présenter à l'analyste financier qui vous reçoit dans un premier temps, aussi compétent soit-il. Il ne voit jamais qu'une plaque de plâtre entourée de deux feuilles de papier. Il va se dire, est-ce que je vais présenter ce type de projet? Même si le gars lui dit, je vais faire des cloisons avec ça, ça va marcher du tonnerre, il va faire un très beau projet, un très beau prévisionnel. Le gars, il ne voit jamais qu'une plaque de plâtre et deux feuilles de papier. Aujourd'hui, c'est JPROC, c'est 300 emplois, ça a été vendu 50 millions à Saint-Gobain en France. Bon. On a bien compris, je pense, votre propos. Alors, je pense que, je ne sais pas si c'est de l'administratif, peut-être que le terme n'est pas exact, mais c'est vrai que la standardisation de la finance est un réel problème parce que, d'abord, les prêteurs ne connaissent plus bien les emprunteurs et donc ne savent pas évaluer la qualité ou pas des projets qui leur sont présentés. Mais c'est bien plus que ça. Vous savez qu'aujourd'hui, la majorité des ordres financiers qui sont passés en bourse sont passés par des ordinateurs. Donc on crée des algorithmes sur base d'une série d'informations que ces ordinateurs doivent vérifier, notamment les informations grand public sur les chaînes de télévision et de radio, et en fonction de ça, prennent des positions, et des positions qui sont extrêmement courtes. Ça se passe à la nanoseconde, parce que parfois, ils jouent sur une baisse ou sur une hausse pendant quelques secondes, pour juste avoir le petit différentiel qui va faire qu'ils vont gagner de l'argent. Un exemple très concret, et je m'arrêterai là, le compte Twitter du président Obama a été, il y a un an environ, piraté. On a laissé entendre qu'il était admis à l'hôpital. Directement, le dollar a fait une brusque chute parce que tout simplement, tous ces algorithmes ont réagi. Président des États-Unis à l'hôpital, etc. Et donc, le cours du dollar a baissé très sérieusement jusqu'au moment où, bien sûr, on a dit que ce n'était pas exact. Mais en attendant, tout ça a fonctionné de manière automatique. Donc oui, la finance se déshumanise au sens littéral du terme. Voilà, ben écoutez, avant de poursuivre, peut-être on va passer à la conclusion et puis aussi à notre conclusion, mais peut-être avec vous, Benoît de Rennes, donc directeur de la Fondation pour les générations futures. Alors,
Quelle nuit, on pourrait dire, hein, quand même, ici, déjà. D'ailleurs, auditeurs, si vous nous écoutez, je sais qu'il y en a dans la salle qui nous entendaient à la radio ce soir et qui sont venus nous rejoindre ici à l'Éden de Charleroi. Ben, vous pouvez encore le faire. La porte est encore ouverte. Alors, une petite conclusion. Allez, on ne va pas dire petite quand même. Mais je veux dire, par rapport à tout ce qu'on a entendu, est-ce qu'il y a des initiatives ou des idées? C'est ça qu'on voulait avoir aussi ce soir. Des idées qui peuvent justement émerger de toutes ces discussions. Alors, d'abord, effectivement, quelle nuit, mais certainement pas une conclusion, surtout une post-faste qui ouvre vers demain. Ça, c'est sûr. Et en fait, le fil d'aujourd'hui, c'était demain. Donc, ce sera demain, éternellement. Quelques éléments, je le disais tout à l'heure en entrée, nuit des idées, nuit des questions, ça n'a que traversé toute la soirée. Énormément de questions qui nous sont posées. Ça veut dire aussi que l'avenir est ouvert, il est encore à construire. Ça, c'est fondamental. Et donc, la créativité de nos jeunes, de nous-mêmes déjà, et puis de nos jeunes, sera fondamentale. Alors, des idées de cette soirée qui questionnent la tradition et le cadre établi, c'est en tout cas le sentiment que j'ai eu à travers ça, hein. Être propriétaire, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Tirer au sort des citoyens pour se réapproprier le politique ou la politique et pas nécessairement de manière oppositionnelle, avoir des valeurs en entreprise, d'économie sociale ou d'entreprise classique. Avoir des valeurs dans l'école ou l'enseignement, dans l'alimentation, avec des pistes très diverses, on l'a entendu, qui dans certains cas peuvent apparaître comme opposées, mais qui peut-être ne le sont pas autant qu'on le pense, dans l'énergie, la mobilité, des acteurs qui présentent un avenir qui ne converge pas nécessairement. Effectivement, cet avenir est à construire, et comme il est encore à construire, on ne pourra pas vraiment, et personne ici n'a la vérité de ce que sera demain. En fait, on le construira chacun à sa mesure. Et ce qui m'a traversé également dans toute cette soirée, c'est plus le « et » que le « ou ». Je pense que c'est les citoyens et le politique, c'est les entreprises coopératives ou sociales et les entreprises classiques qui feront le changement. Et donc, également, toutes des idées qui questionnent le temps du changement, qui est un temps extrêmement différent selon les acteurs, selon les gens. Le comportement des gens change très lentement, contrairement à ce qu'on peut croire. Et donc, il faut en tenir compte aussi quand on est hyperactif et hyper engagé, c'est que les gens ne changent que lentement. Il faut être patient. Il faut avoir une certaine patience, malgré certaines formes d'urgence. Et enfin, le temps de l'engagement, qui est quelque chose de très différent. Nous l'avons vécu à la Fondation pour les générations futures quand on a lancé les initiatives avec les citoyens. C'est que les citoyens aujourd'hui s'engagent dans des démarches peut-être plus courtes, plus brèves, très intenses, et ils le font très volontiers. Et donc ça, on a pu le voir dans la logique du tirage au sort. Par contre, l'engagement militant de très longue durée, ça, c'est peut-être un peu le passé, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, et certainement pour les générations qui viennent. Et donc, il faut en tenir compte aussi dans la manière dont on engage les changements avec les plus jeunes. Donc, les formes d'action possibles sont très différentes, et elles concernent aussi bien tout un chacun à travers ces formes de consommation, on l'a dit, de financement, d'énergie, mais effectivement aussi dans les besoins que nous avons d'avoir une vision à 360 degrés. Et donc, je voulais peut-être conclure avec le fait qu'en tant que Fondation pour les générations futures, on a depuis plus d'une dizaine d'années maintenant lancé ce qu'on a appelé le Grand Prix des générations futures, qui d'ailleurs aura lieu au niveau national le 16 novembre prochain. C'est un Grand Prix qui reconnaît le travail d'un monde durable au quotidien. Et on a ici... Et il y en a qui ont été lauréats. Hein, qui certains étaient... lauréats, dont Thierry Nouzen et Belvas, hein, qui vous a distribué du chocolat, en 2013. Pour nous, c'était une manière de dire qu'effectivement, il existe au quotidien des gens qui déjà agissent, on l'a entendu aujourd'hui, et qui par ailleurs sont reconnus à travers un processus. Il suffit d'aller sur le site de la Fondation, voter pour celui que vous voulez, puisqu'il y en a 12 chaque année qui sont sélectionnés, et c'est un petit peu le film demain en Belgique, parce qu'effectivement dans le film demain il y avait des experts belges, mais il n'y avait pas de projet belge. Il en existe plein tout autour de nous, tout près de chez nous. Donc, et c'est ça qu'avec l'opération demain et après de la RTBF, on voulait évidemment montrer, et je crois qu'on en a eu un bel exemple aussi ce soir. Alors je ne sais pas s'il y a déjà des personnes qui veulent réagir. Je sais que monsieur, je vais vous passer mon micro, vous en trouvez un sur la table et vous vous présentez peut-être, et aussi votre idée
que les gens doivent aussi connaître, mais que vous vouliez aussi mettre en avant ce soir. Oui, donc moi je m'appelle Rolando, je représente ici les Ripper Café, et une des choses qui m'a frappé et que je voulais exprimer ici, c'est deux mots en fait, c'est le mot résister et le mot ensemble. On peut résister contre l'agro-industrie en mangeant différemment, en mangeant de manière durable. On peut résister également à une société de consommation qui nous pousse à acheter, acheter, et puis à jeter de plus en plus. Et donc le Ripper Café, c'est un lieu où, au contraire de ce système-là, on veut donner une seconde vie à des objets qui seraient normalement destinés à la poubelle. Et en fait, grâce au savoir des citoyens, hein, voilà, ici c'est un bel exemple, mais quelque part, c'est grâce au savoir-faire des citoyens, en se mettant ensemble, en partageant nos savoirs, qu'on peut vraiment lutter contre cet énorme gaspillage, un gaspillage énorme de ressources naturelles, un gaspillage énorme aussi quand on voit que ces déchets finissent bien souvent dans des pays du Sud et dans des conditions vraiment désastreuses, que finalement ces pays-là qui nous servent de poubelles. Et donc vraiment les Ripper Café, c'est aussi une initiative qui vient des citoyens pour lutter contre ça et pour changer les mentalités. Et il y en a de plus en plus qui s'ouvrent. Il y en a 90 du côté de la Belgique francophone, et c'est vraiment une manière aussi de créer des liens sociaux entre les gens. Parce que finalement il y a toutes les générations qui se croisent là, il y a des dames ou des messieurs plus âgés qui font de la couture aussi bien que des jeunes geeks qui vont réparer l'ordinateur. Voilà. Et donc voilà, c'est un des exemples que je voulais citer. Voilà, pour votre idée. Alors, s'il y a d'autres personnes qui veulent peut-être réagir, à mon avis, vous allez parler du talent, vous, non? Prenez un micro. Oui, dans le même ordre d'idée que le monsieur du Ripper Café, je pense aussi aux ressourceries. Où est-ce qu'il est, monsieur? Ah, voilà. Aux ressourceries, et ça existe de plus en plus en Wallonie, notamment à Charleroi, il y en a une. Et malheureusement, je vois encore souvent les trottoirs décorés de morceaux de meubles, etc., qui sont d'abord pas agréables à voir et qui, de plus, se détruisent encore plus avec les incidents météorologiques. Et donc, je trouve que ces ressourceries aussi ont beaucoup d'avenir pour l'ensemble de la population. Ça permet d'aider des populations plus défavorisées à retrouver du mobilier ou d'autres objets qui vont pouvoir... et aussi au réemploi dans le sens général du terme. Voilà, cette semaine, j'ai eu la chance de présenter mon projet à une classe de réto. Et à un moment donné, il y a une jeune fille qui m'a dit « Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous nous demandez de sortir de notre zone de confort ?» Et ça m'a vraiment interpellé, parce qu'en fait, finalement... réduire ses déplacements en voiture, acheter du commerce équitable, prendre de la monnaie locale, réfléchir à son énergie, réfléchir à son logement, c'est toujours quelque part prendre du temps et sortir de sa zone de confort. Mais ça, c'est le défi de demain, effectivement. Sortir de sa zone de confort, c'est laisser de la place à ceux qui n'ont aucun confort. Et donc, moi, ce que j'encourage vraiment tout un chacun, c'est qu'on ne peut pas être citoyen de tout. On ne peut pas être citoyen de son argent, citoyen de son école, citoyen de son logement, citoyen de toutes choses. Mais si chacun faisait un tout petit peu de citoyenneté, cela permettrait de donner un peu de confort à d'autres qu'à soi-même. Et après avoir entendu tout ce qui a été dit tout au long de ces soirées, vous estimez, vous aussi, que finalement, si on en suit l'une, l'autre, est-ce qu'on sort de notre zone de confort? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir été ici, faire un retour en arrière avec toutes les idées qu'on a émises? Est-ce qu'on sort, selon vous, est-ce qu'on fait vraiment, on sort de notre zone de confort avec tout ce qu'on a émis comme idée? De toute la je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent réagir. Soirée, je n'ai entendu qu'un seul retour en arrière. C'est quand j'ai entendu quelqu'un parler de la voiture autonome qui était l'avenir de tout le monde. Ce n'est pas vrai. C'est la voiture partagée ou la non-voiture qui est l'avenir de tout le monde. Non. Oh, voilà. J'ai quand même répondre sur... Mais elle sera peut-être partagée, cette voiture. Ouais, la voiture autonome, je ne pense plus que dans un monde... on en rediscutera dans 5 ans et j'aurai raison. Mais la voiture autonome... Non, c'est vrai, j'aurais raison, je suis sûr à 100% de ce truc-là. La voiture autonome n'est pas une voiture particulière. Le modèle de base, c'est vraiment qu'il y a une flotte de voitures autonomes qui roulent et qui sert au mieux les besoins en mobilité des gens. Et c'est justement ça qui va rendre la voiture encore plus accessible. Au lieu d'avoir un capital, d'investir dans un capital à une voiture qui ne roule peut-être qu'en moyenne 2 à 3 heures par jour pour vous, vous pourrez avoir des voitures comme ça qui auront un taux d'utilisation peut-être de 80% ou 90% du temps. Et on pourrait même imaginer que la nuit,
hein, quand les gens ne veulent pas les utiliser, ben, que ces voitures aient se recharger dans certains points spécifiques du réseau, elles seront électriques, se déchargent à d'autres points, ils se substituent au réseau électrique, d'une certaine manière. Mais ça... Enfin, quelle électricité, quelle énergie? L'avantage, c'est qu'elles seront électriques, hein, ces voitures-là. Et l'avantage d'un moteur électrique, c'est que c'est 2,5 à 3 fois plus efficace qu'un moteur thermique classique. Donc déjà, en refaisant passer toute la flotte de notre voiture, toute notre flotte voiture en voiture électrique, vous gagnez en énergie quasi un facteur 3. Maintenant, vous avez raison de dire avec quelle énergie, parce que je pense que l'apparition de la voiture autonome, qui est... à mon avis, instoppable maintenant, va faire en sorte que le produit mobilité particulière en voiture va devenir encore plus attractif aux yeux des gens et qui parcourront plus de kilomètres. Et on voit quand même qu'on est alors quand même toujours dans le cadre d'une société et on va aller dans cette direction-là qui aura d'énormes besoins en énergie et on construira d'énormes infrastructures pour produire cette énergie. Mais construire d'énormes infrastructures ne veut pas dire polluer ou ne pas être vert. Une autre réaction ? Oui, je voulais revenir sur cette jeune étudiante qui parlait de sortir de sa zone de confort. Donc nous, on s'intéresse au processus de changement depuis très longtemps. Je pense que tant qu'on a l'impression qu'on va sortir de sa zone de confort, c'est qu'on n'est pas prêt. Parce que j'avais envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent, quand on a pris conscience de toute une série de choses et qu'on voit le monde un petit peu différemment parce qu'on s'est reconnecté à la Terre, par exemple, ou bien parce qu'on s'est reconnecté à ses voisins, parce qu'on a eu l'occasion de participer à quelque chose de plus convivial que d'habitude, nous sommes tous invités à prendre conscience de tous ces éléments-là aujourd'hui, eh bien ça devient le pied de changer. C'est-à-dire qu'on s'enrichit autrement. Et donc, je pense qu'il ne faut pas oublier cette perspective de joie partagée, de convivialité, d'avoir ce sentiment profond qui nous nourrit jour après jour, de participer à quelque chose qui grandit notre humanité. Et donc, j'ai envie de dire à cette jeune femme qui a le sentiment aujourd'hui qu'elle sort de sa zone de confort, c'est un passage obligé au début quand on se confronte avec de nouvelles perspectives, parce qu'on n'a pas été éduqué pour ça au départ. Mais persévérez, parce qu'à un moment donné, vous allez tous prendre votre pied. Allez-y, allez-y. Je pense que c'est le seul sujet dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est la culture. Hein. On n'a pas parlé du grand changement culturel qui doit avoir lieu. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans l'enjeu culturel, mais il y a vraiment un travail majeur à faire à ce niveau-là. Il faut réenchanter notre culture. Comment se fait-il aujourd'hui que c'est le rêve américain qui continue en anglais à s'exprimer sur nos médias publics en majorité et que ce n'est pas la transition de l'économie ou une autre type de croissance qui s'exprime dans nos messages poétiques, dans la chanson, etc. Enfin, je veux dire, réenchantons notre imaginaire avec un autre modèle que celui du 4x4 américain qu'on nous bassine dans tous nos médias. Et dans nos fictions actuellement. Hein, il y a quand même un changement au niveau culture. Hein, quand tu vois le succès du film Demain, le succès inattendu, montre qu'il y a vraiment une envie d'avoir ce type de culture-là. Quand tu remarques un nom CETA, tu remarques que même au niveau politique, on voit un changement qui arrive. Donc moi, je suis beaucoup plus optimiste que tu ne l'es. Hein. Ben, au niveau politique, justement. Il y a Jean-Marc Nollet qui nous a rejoint donc, ce soir. Vous vouliez aussi peut-être rajouter quelque chose? Je voulais rebondir sur une des conclusions que Benoît proposait. Parce qu'il dit qu'il faut peut-être prendre le temps, mais ce serait bien si on avait le temps. Et je crains qu'on n'ait pas ce temps-là, malheureusement. Et donc la question qui est à poursuivre aussi, c'est l'articulation entre le peu de temps qu'il nous reste, malgré tout, et la gestion démocratique de la transition. Je ne dis pas que j'ai une réponse, mais je dis qu'il faut intégrer ce paramètre de temps un peu plus objectivement que ce qui est proposé comme conclusion pour l'instant. Une réaction peut-être ? Non, l'articulation des temps est fondamentale, comme l'articulation des échelles aussi. C'est clair qu'on est dans un monde où on n'arrête pas de le dire, on est sous la pression de la mondialisation et donc les décisions internationales doivent se prendre pour faire changer les choses et on sait que c'est nouveau dans l'histoire de l'humanité. Que des États, que des pays, que des gens qui ne se connaissaient pas et qui ne se côtoient jamais soient obligés de décider ensemble d'un avenir commun pour leurs enfants. C'est un défi colossal à l'échelle de l'humanité. Donc,
On est stressé et on est ambitieux et c'est nécessaire, mais bon sang que ça ne se décide pas en un claquement de doigts. Et vous, en politique, vous le savez. Effectivement, les changements sont lents. Donc il faut articuler ces temps, mais positivement, parce que sinon on rentre dans une logique de sous pression de l'urgence, on va décider pour tout le monde, et dans ce cas-là, tout le monde freine des cas de fer. Le tout le monde en question, c'est des gens, c'est des vrais gens. Et lui et eux, ils marchent à reculons dans ce cas-là. Et donc le changement ne se fait pas nécessairement. Et dans ce cas-là, on va tous ensemble dans le mur. Donc il faut arriver à vraiment articuler les temps. Ça, c'est absolument quelque chose de clé. Et je dirais articuler les niveaux aussi. Hein. On a parlé beaucoup d'initiatives citoyennes et de base, mais bien sûr qu'il faut articuler le niveau local, le niveau politique, et que ce soit au niveau régional, national ou international. Et bien sûr, on ne peut pas penser la transition sans penser l'articulation entre ces différents niveaux. Oui, je voulais... oui, allez-y. Oui, aussi ajouter sur la question, effectivement, la temporalité. Enfin, moi, je parle de ce que je connais un tout petit peu, c'est le domaine de la finance, le reste pas trop. Mais, et je rebondis aussi sur la question du confort. N'oublions quand même pas une chose, c'est qu'il y a quelques années, en 2008, on a dû sauver des banques et on a perdu 12% de la richesse produite en Belgique. Donc on a tous travaillé un peu plus d'un mois pour sauver le système financier. Donc le fait d'aller dans un système financier meilleur n'est pas source d'inconfort, mais de plus de confort. Et malheureusement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit en ce qui concerne l'urgence, dans le domaine que je maîtrise un tout petit peu. Pas plus tard que ce matin, un journal qui n'est pas particulièrement gauchiste, qui s'appelle L'Écho, titrait sur un crash, sur un possible nouveau crash financier. Donc il y a vraiment urgence, il ne faut pas faire peur aux gens, mais il y a nécessité urgente de changer de paradigme dans le domaine de la finance. Alors on va poursuivre peut-être aussi au terme de cette soirée. Est-ce qu'il y a un domaine? Est-ce que, bon, on a fait l'éducation, l'alimentation, l'économie, l'énergie, la démocratie. Est-ce qu'il y en a un qui est peut-être plus mûr qu'un autre pour ce changement? Est-ce qu'on ne va pas parler qu'il y en a un qui est plus avancé que l'autre, hein, mais est-ce qu'au terme de tout ce qui a été dit, ou alors est-ce que c'est peut-être un secteur où là il y aura peut-être plus la possibilité d'avoir ce changement? Benoît de Rennes. Non, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un secteur qui domine dans cette transition, dans cette transformation de la société. En fait, on doit tous s'y mettre. Et là, on va se raccrocher au film Demain et à Pierre Rabhi, qui, avec son colibri, effectivement, si on ne s'y met pas tous, là où on est, dans ce que l'on fait, au quotidien, dans son boulot, dans sa maison, avec ses enfants si on en a, ou avec ses études si on est étudiant, si on ne se met pas, mais à faire quelque chose à sa dimension, effectivement, on ne participe à rien. Et je pense que l'engouement autour du film Demain, on est quand même à presque 200 000 entrées cinéma, ce qui veut dire qu'on est bien au-delà de la moyenne des films français ou francophones quand ils passent en France. En France, on est à 1 million de vues. Ici, on est à 20% de ce qu'on fait en France. Et la moyenne de tous les films francophones qui passent en Belgique par rapport à la France, c'est 4%. Donc, les Belges sont beaucoup, beaucoup plus puissamment intéressés par Demain que les Français. Ah ben voilà, ça c'est aussi... Ça c'était sûr, ça c'était... Et donc, en fait, je pense que ça correspond simplement à une évidence pour nous, en tout cas, peut-être pas spécifiquement pour les Wallons, mais pour les êtres humains, c'est qu'on a puissamment besoin d'avenir. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on ait envie d'avenir. Et ce qui doit nous préoccuper, on parlait de la culture tout à l'heure qui était absente ce soir, ce qui doit nous préoccuper aujourd'hui, c'est qu'effectivement, notre jeunesse ait envie d'avenir. Et puis pas seulement notre jeunesse, aussi notre génération. Parce qu'il y a aussi autour de nous des gens qui se désespèrent de leur situation. Donc en fait, recréer une envie d'avenir, c'est fondamental pour une société. Quand on voit les stress liés aux attentats et au fait que certaines idéologies mortifères et proches du nazisme se répandent à une telle vitesse, c'est parce qu'effectivement, il y a un vide chez un certain nombre de nos concitoyens. Et ce vide, il faut non pas le combler en mettant des barrages, mais il faut le remplir d'envie,
d'envie de quelque chose qui soit positif. Et je pense que là, le film demain et tout ce qui tourne autour de ce qu'on a dit ce soir nous amène plutôt vers un demain plus intéressant et plus attractif. Oui, à mon avis, il y en a beaucoup ici qui n'ont pas attendu non plus le film demain, justement pour faire ces initiatives positives et avoir envie d'avenir. Enfin, j'espère qu'on vous a en tout cas aussi donné envie ce soir d'aller un petit peu plus loin et d'aller pour ce changement. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui veulent réagir dans la salle, où tout le monde commence un petit peu à piquer du nez, on peut le dire, parce qu'on a quand même tenu, on a quand même tenu près de 5 heures, non, 4 heures et demie, donc ça n'a pas paru trop long. Hein. On peut dire qu'il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites, à mon avis, et soumises, et on va poursuivre, je pense, certainement dans les mois, dans les jours, c'est loin d'être fini. Personne ne veut encore rajouter. Voilà, il me semblait bien, monsieur, que... Ben oui, forcément. Et puis, il y avait quelqu'un aussi derrière. Si vous saviez vous présenter. Bonjour, Aurélie. En fait, je pense que le film demain, comme ce rassemblement ce soir, et merci pour l'organisation, a permis aussi de créer du réseau. Et c'est peut-être ça qui manquait, parce que des initiatives personnelles, je pense qu'il y en a plein et qu'elles ne sont pas ni assez médiatisées, ni assez connues. Mais cet avantage du réseau montre qu'on n'est pas aussi isolé qu'on ne le pensait, que les idées qui sont le plus reportées ne sont pas les seules idées qui peuvent exister, qu'une alternative est possible. Et je pense que c'est ça la force de ces soirées et la force du film demain, c'est nous montrer que on est ensemble et qu'on peut agir ensemble et que l'union fait la force, comme on devrait le savoir chez nous. Ben voilà, ce sera peut-être le mot de la fin finalement, Aurélie, merci beaucoup. L'union fait la force et ben, merci à vous d'avoir participé à cette nuit des idées. Merci aussi, un merci particulier à toute la technique et puis à Joël Sève qui se trouve là-bas derrière, qui a fait un boulot formidable pour préparer cette nuit des idées. Voilà, ben, merci à vous et à une très très prochaine fois, parce que je pense qu'on est parti pour un bon changement.